Écoutez les paroles de cette prophétie et comprenez ce qui viendra plus tard. Le prévisionnel. Il n'était pas encore temps. La fin n'était pas encore venue. Le sort apocalyptique de la terre avait du coup germé. L'agneau avait à peine ouvert le livre des sceaux, sur quoi le drame chantait déjà d'un air enthousiaste, le malheureux destin du monde, accroché au tort et à la transgression. Voici, il n'était pas encore apparu, ce cheval pâle dont le cavalier est la mort. Les sceaux étaient encore scellés. Mais un gouvernement supérieur de la terre et un bon nombre d'alliés de paix et de protection du monde se proposa de tuer la terre pour son salut. Comme par noyade en rempli d'eau, yeux et poumons, la terre serait baignée dans la croissance rapide de sa population démesurée et libéralisée. Maintenant, ici, la nourriture vaut de l'or. L'eau potable plus que notre vie, de la viande impure sur les marchés, trop de sang, trop de sectes. L'église véritable mourut et ensevelie au profit de salons de rituels. J'ai vu le monde devenu un monstre immonde, et la paix et l'avenir furent conduits à l'abattoir. Quand j'ai cru que le monde allait mourir et que la vie serait devenue ville, des grands et des supérieurs, des chercheurs et des génies, fut de calcul au millimètre près pour pêcher la paix et que leur stabilité brille encore. Le gamète fut ôté du milieu des peuples amis. Les nations marchaient droit, tout droit, vers la vieillesse. Sans aucune semence. Des langues et civilisations radiées l'ont chanté à cet effet, réveiller l'équilibre. Un nouveau départ pour la semence épargnée.